Bienvenue dans ces années-là. Vous êtes en compagnie de Pascal comme chaque mardi après-midi entre 16h et 18h. Un grand merci à Johan que vous allez retrouver demain à partir de 11h. Dans cette émission, vous allez retrouver toute la chanson française d'Aristide Bruand à Benabar. Aux alentours de 16h30, nous jouerons ensemble et cette semaine, nous jouons avec Art et Fête de Montivilliers. Et il y aura peut-être le quatrième indice tout au long de l'émission, le quatrième indice du jeu du jour de l'an. Et si vous aimez le jazz, rendez-vous avec Alain à 18h, entre 18h et 19h, pour son émission Jazzomania. Et j'ai décidé à partir d'aujourd'hui et chaque mardi de vous proposer un fil rouge. Et le premier fil rouge en question, et ben c'est tout simplement le taulier, Johnny. Je vous propose un hommage à Johnny, puisque vendredi, cela fera déjà 2 ans qu'il nous a quittés. On le retrouve avec une première chanson, d'ailleurs l'une de mes préférées dans sa carrière, « Drôle de métier », une chanson de 1984. Bon après-midi, à l'écoute d'RVL. Lundi 12h30, dehors il fait un froid de chien, et ma fille à pleurer cette nuit. J'ai encore le goût du café crème, j'ai froid aux mains, sur les vitres pleure la pluie. Une cendre tombe, un camion donne un coup de frein, puis je serai presque reparti. Dieu ne savent même plus mentir. Drôle de métier, plus drôle de métier, rien des soirs où faut avoir le moral et le cœur bien accroché dans ce métier. Oui, drôle de métier, le moral et le cœur bien accroché. Et tiens, mon secrétaire s'est endormi entre deux mots. Tant mieux, plus besoin de parler. Je vais brouiller l'image, couper le son de ma radio. J'aurai même plus besoin de penser. Je vais rouler le plus longtemps possible sans mettre mes lumières. La nuit ne me verra pas venir. Je compte, je peux bien m'arrêter, boire une bière, voir des gens normaux sourire. Drôle de métier, oui drôle de métier, et à des soirs où faut avoir le moral et le cœur bien accroché. Drôle de métier, le moral et le reste bien accroché. Non pas de prime de risque pour la déprime dans mon métier. Pas de cadeaux, pas de coups d'éponge. Mais comme un cheval aveugle poussé dans un terrain miné, tu fais un faux pas, tu plonges. Le moral et le reste bien accroché dans ce métier, dans mon métier, le moral et le reste bien accroché. Ouais, drôle de métier, où il y a des soirs où faut avoir le moral et le cœur bien accroché dans ce métier. Mon métier, le moral et le reste bien accroché.
Je vous propose de retrouver les années 50 maintenant, les années 50 avec Michel Delpech, qui reprend ce classique de Guillaume Apollinaire et Léo Ferré, Le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure. Nous sommes aujourd'hui le 3 décembre 2019 et nous fêtons les François-Xavier. Donc François-Xavier, surtout les Xavier aujourd'hui, en ce 3 décembre. Bonne fête à vous si vous appelez Xavier. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui de Vemmalama Chavez. Je ne la connais pas personnellement, donc peut-être une actrice. Je ne vois pas qui peut être elle. Donc Vemmalama Chavez, donc aujourd'hui son anniversaire. On retrouve maintenant la musique maltaise du mardi. J'ai choisi toujours Benny Grima à la mandoline. Il va nous parler d'un boulanger, eh oui, d'un boulanger maltais, donc le titre original Maltese Baker, et il nous interprète Il Furnard, musique maltaise.
Voilà, c'était donc Benny Grima avec donc cette musique maltaise. Je vous propose de retrouver le grand concours de l'Eurovision. En 1967, elle représentait la France. La France en 1967, c'est Noël Cordier. Il doit faire beau là-bas, elle était arrivée troisième. Donc on retrouve Noël Cordier, et souvenez-vous de Noël Cordier en duo en 1974 avec Alain Barrière pour Tu t'en vas. Donc là, elle vient du nord de la France. Noël Cordier donc qui nous représentait pour la France troisième en 1967. Il doit faire beau là-bas. C'était pour être heureux. Si tu as réussi, tant mieux. Je déteste tous ces gens avec lesquels tu vis sans moi. Je déteste tous ces gens qui ne te parlent jamais de moi. C'est l'hiver et le vent. Je vais traverser, c'est pour toi maintenant, l'été. Si tu dois revenir, n'attends pas trop longtemps, je ne peux retenir le temps. RVL 103.10. On retrouve maintenant parmi les plus belles chansons de Paris. Je vous rappelle qu'aux alentours de 16h30, nous jouerons ensemble. Et cette semaine, nous jouons avec Art et Fête de Montivilliers. Donc, il y aura peut-être le quatrième indice du jeu du jour de l'an tout à l'heure. Peut-être. On verra. Donc, on retrouve parmi les plus belles chansons de Paris, la très belle voix de Jacqueline François, La Seine. Elle roucoule, coule, coule, dès qu'elle entre dans Paris. Elle s'enroule, roule, roule, autour de ses quais fleuris. Elle chante, 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 chante le jour et la nuit. Car la Seine est une amante, et son amant c'est Paris. La Seine est aventureuse de Châtillon à Méry, et son humeur voyageuse flâne à travers le pays. Elle se fait langoureuse de Juvisy à Choisy pour aborder l'amoureuse, l'amoureux qu'elle a choisi. Elle roucoule, coule, coule du Pont-Neuf jusqu'à Passy. Elle est saoule, saoule, saoule au souvenir de Bercy. Elle chante, 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 chante le jour et la nuit.
si sa marche est zigzagante, c'est qu'elle est grise à Paris. Mais la Seine est paresseuse en passant près de Neuilly. Oh, comme elle est malheureuse de quitter son bel ami. Dans une étreinte amoureuse, elle enlace encore Paris pour lui laisser généreuse une boucle à Saint-Denis. Elle roucoule, coule, coule sa complainte dans la nuit. Elle roule, roule, roule vers la mer où tout finit. Elle chante, 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 chante l'amour de Paris, car la Seine est une amante et Paris dort dans son lit. Et oui, depuis hier, vous avez pu écouter sur RVL les premières chansons de Noël, puisque je vous le rappelle que Noël, c'est dans 3 semaines. Donc d'ailleurs, avant de vous passer ma petite chanson de Noël, je voudrais un peu vous parler des programmes de fin d'année sur RVL, parce qu'il va y en avoir pas mal. Notamment, donc, en ce qui me concerne, je vous retrouverai, et oui, je serai là le mardi 24 décembre, c'est-à-dire le jour du réveillon de Noël. Vous aurez un 100% de chansons de Noël, donc entre 16h et 18h, le 24 décembre. Et certainement également un spécial Noël de la part d'Alain pour Jazzomania, entre 18h et 19h. Et le 25 décembre, et oui, petite surprise de fin d'année. Le 25 décembre et également le 1er janvier pour les personnes qui n'auront pas écouté le 25 décembre. Donc jour de Noël, Alain, Manu et moi-même, Pascal, vous propose une émission spéciale sur RVL le 25 décembre et le 1er janvier 2020, entre 18h et 20h, une émission tournée autour du 7e art, spécial ciné, cinéma et musique, on a appelé donc l'émission Ciné-Musique. Donc cette émission, c'est un peu le lancement de cette émission. Vous la retrouverez donc le mercredi 25 décembre entre 18h et 20h sur RVL. Et si vous ne pouvez pas écouter le 25 décembre, RVL vous rediffusera donc cette émission le 1er janvier 2020 entre 18h et 20h. Voilà donc pour les cadeaux de fin d'année. Et je serai également là le 31 décembre, le jour du réveillon de la Saint-Sylvestre, entre 16h et 18h donc pour ces années-là, avec aussi un spécial 100% chansons de fin d'année. Et oui, je vous prépare tout ça pour la fin de l'année. Donc, notez bien, le 24 décembre, 100% chansons de Noël dans ces années-là. Le 31 décembre, jour du réveillon de la Saint-Sylvestre, un spécial chanson de fin d'année. Et également, donc, le 25 décembre et le 1er janvier, entre 18h et 20h sur RVL, Alain de Jazzomania, Manu de Synthetikozen et Pascal de ces années-là vous proposent donc ciné-musique. Donc cinéma et musique entre 18h et 20h. C'est parti donc pour les chansons de Noël. J'ai choisi pour commencer aujourd'hui, il y en aura 4 dans l'émission aujourd'hui. Et oui, on avance petit à petit vers Noël. On commence avec Charles Aznavour, Un enfant de toi pour Noël. Le temps du froid et du gel, j'aimerais pouvoir trouver un cadeau dans un berceau blanc, tel un angelo, un enfant de toi pour Noël, rose et merveilleux, tout petit et frêle, dormant innocent. Pour être le cœur de notre univers, un enfant de toi pour Noël. Un enfant de toi, de nous, rêver ensemble, conçu ensemble, d'âme et de corps qui nous ressemble.
notre sang, chair de notre chair, un enfant de toi. Espoir envoyé du ciel pour donner un sens au fil de nos jours, au prix de nos joies, au nom de l'amour, un enfant de toi. Fille ou garçon, quelle importance au Avant de vous poser ma question, voici l'humour de Robert Lamoureux, le célèbre réalisateur de la 7e compagnie, et oui, film devenu culte maintenant. Robert Lamoureux et son fameux papa, maman, la bonne et moi. Je suis nationalité française, et bien qu'étant né à Paris, maman est de souche bordelaise, papa est natif du Berry. Et vraiment de s'appeler Lamoureux, pour un garçon c'est merveilleux. Papa, maman, la bonne et moi, des gens comme nous il y en a des tas. On achète à tempérament, papa, moi, la bonne et maman. L'été on va au centre de l'Aune, papa, maman, moi et la bonne. Quand on revient il nous reste 20 francs, papa, moi, la gémie nous reste 20 francs, mais faut pas charrier quand même, hein. Il nous reste pas tout à fait 20 francs. Père Lamoureux est fonctionnaire, maman est fille d'agriculteur. Moi j'ai le brevet élémentaire. Là j'ai mis brevet élémentaire parce que certificat d'études ça faisait trop long. Je pouvais pas arriver à l'enfiler là-dedans, j'ai dit oh, pas me casser le baignard. Remarquez, je suis quand même sorti d'une grande école, hein. À coup de pompe, c'est entendu, mais enfin le... Un grand oncle et pas de petite sœur, et vraiment de s'appeler Lamoureux. Pour plaire aux dames, on fait pas mieux. Papa, maman, la bonne et moi. On a une radio qui marche pas. Oui, mais on a un appareil photo qui marche drôlement bien, tiens. Appareil photo entièrement aérodynamique. Au début, on pouvait pas trouver le devant. Pendant 8 jours, papa, il photographiait ses boutons de gilet. La seule fois qu'il l'a mis dans le bon sens, il y a un taureau qui arrivait derrière. Papa, il disait, bougez pas, je fais de la pause. Bon, moi, il a dit, fais de l'instantané, faut qu'on s'enlève. Il dit, on va pas le... Samedi, on va au cinéma. Papa, maman, la bonne et moi. Ou dans notre jardin de noisy grand. Parce que papa, faut tout le temps qu'il bricole. Je vois le dernier ramonage qu'on a fait à la maison, c'est papa qui l'a fait. Les ramoneurs sont pas venus. Les pompiers, si, pour dégager papa, mais sans ça. Tu vois, nous, on habite au 3e, l'autre fois, on a un tableau qui s'est décroché, là, un tableau de mètre. Mètre 20, 25. Papa, on lui a donné un clou, un marteau, et un quart d'heure après, ça y était, descendu d'un étage. En ce moment, à la maison, il met de l'huile dans les serrures pour qu'elle marche. Puis quand il met de l'huile dans une serrure, c'est pas pour jouer, il a une serrure, 2 litres d'huile, fouf. C'est comme il dit, une serrure, c'est pas un moteur, là-dedans, c'est pas ce qu'il faut comme huile, hein. C'est que là, il n'y a pas de jauge. Une jauge pour jauger. Il n'a rien compris depuis le début. Mais remarquez que 2 litres d'huile dans une serrure, ça fait trop. Ça fait 1 demi-litre dans la serrure, 1,5 litre par terre. Mais alors le temps qu'on gagne avec ça, c'est formidable. Entre deux portes, quand on glisse dans le bon sens, on fait 5 mètres d'un coup. Moi, j'ai vu papa traverser toute la salle à manger sur un pied avec un plat de lentilles. Plat de lentilles, il tenait à l'envers, mais enfin... Je vois, depuis qu'on a graissé la serrure qui donne sur le palier, c'est pas incroyable. Avant, pour descendre, il fallait 3 minutes. Maintenant, en 2 secondes, raf, l'affaire est bâclée. L'autre jour, on était en train de déjeuner, il y a quelqu'un qui sonne, alors on a couru pour aller ouvrir, tant qu'on ouvre la porte, bouf, il était déjà reparti. On a vu que 2 pieds, on n'a pas su qui c'était. On croit que c'est Henri à cause de l'odeur, mais sans ça... Un quart d'heure après, c'était sa belle-mère. Vous n'avez pas vu mon... La concierge est montée, il dit, envoyez pas vos saloperies dans mes escaliers, il dit, ben, y a 2 mois, à la maison, on a eu des ennuis, là, avec la serrure de la porte des que... Oui, celle-là, juste. Ben, il a compris, là, tu vois. Papa, il dit comment? Il dit, elle marche pas, cette porte-là. Il dit, on va s'enfermer tous les deux dans les chagrins. Et moi, je vais te faire voir, moi, comment. 3 jours, on est resté dedans. Et qu'est-ce que vous voulez faire pour se distraire, là-dedans?
Y a rien. On dirait bien la chaîne de temps en temps. On se lasse, c'est humain. Vous me direz, il y a de la lecture. Mais c'est toujours pareil, il y en a, ils prennent des pages au hasard, après on peut plus suivre. Nous, on avait mis un roman avec une couverture en carton épaisse comme le pouce, la couverture, on sait même pas ce qu'est devenu. Et là, je vous jure, sont courageux, savez le... Papa, maman, abonnez-moi, quand on est gêné en fin de mois, on pense qu'il y a des millions de gens qui ont sûrement les mêmes embêtements. Là, j'ai mis embêtement à la maison, on a un autre mot. Et cette façon, papa, en somme, papa, maman, moi et la bonne, on est bien français 100%, papa, maman, abonnez-moi. RVL 103.10, c'est parti pour ma question de l'émission. Et cette semaine, nous jouons avec Art et Fête, Cadeau, Cotillon, Farce et Attrape. C'est à Montivilliers. Ma question, quelle est la comédie musicale de Georges Cukor qui a pour interprète Audrey Hepburn et Rex Harrison? Quelle est la comédie musicale de Georges Cukor qui a pour interprète Audrey Hepburn et Rex Harrison? 02 35 30 53 84. Vous avez à peu près une heure pour me répondre. Je vous donnerai la réponse à cette question aux alentours de 17h30. En attendant vos réponses, nous retrouvons notre fil rouge, puisque je vous rappelle, à partir d'aujourd'hui, j'ai voulu un peu étoffer l'émission ces années-là, avec donc chaque mardi un spécial, hein, ou un hommage, ou un spécial, ou un coup de cœur même. Là, aujourd'hui, j'ai choisi donc le taulier, Johnny, puisque vendredi, cela fera déjà 2 ans qu'il nous a quittés. Et là, on le retrouve avec la version française de Knock on Wood, célèbre tube d'Eddie Floyd, en français, aussi dur que du bois. Johnny. Quand j'étais enfant, on disait que j'ai Le regretter Yves Montand, ma gigolette. «
Ma violette, ça fait vieux, mais c'est chouette. On sera vieux si tu veux. Que je m'entête à t'appeler ma violette pour être heureux tous les deux. Ma violette, ça fait bête, mais c'est chouette. Qu'est-ce que ça fait que ce soit bête, si c'est chouette, que je m'entête à t'appeler ma violette. Et pourquoi pas mon amourette, mon amourette. Ça fait vieux, mais c'est chouette. On sera vieux si tu veux. Que je m'entête à t'appeler m'amourette pour être heureux tous les deux. Mon amourette, ça fait bête, mais c'est chouette. Qu'est-ce que ça fait que ce soit bête, si c'est chouette que je m'entête à t'appeler m'amourette. Et pourquoi pas ma gigolette, ma gigolette. Ça fait vieux, mais c'est chouette. On sera vieux si tu veux. Que je m'entête à t'appeler gigolette pour être heureux tous les deux. Ma gigolette, ça fait bête, mais c'est chouette. Qu'est-ce que ça fait que ce soit bête, si c'est chouette. Quand je te répète ces mots bêtes, m'amourette, ma violette, ma gigolette. Tout autre chose maintenant, Florent Pagny, je resterai là. Regarde-moi, je rêve autour de toi. Ton image passe et repasse dans ma tête. Regarde-moi, et surtout n'arrête pas. Ta voix qui passe et repasse dans ma tête. Regarde-toi, tu es belle devant moi. Tu es l'unique et tu m'as pris la tête. Je suis dans tes bras, dans ta tête. Écoute-moi, je demande que ça, de venir te voir sur ta planète. Accepte-moi et je resterai là, à te vivre et à rien oublier. Accepte-moi, regarde.
Je vous propose maintenant le premier tube de Michel Polnareff en 66, Love Me, Please Love Me. RVL 103.10. Le rappel de ma question, quelle est la comédie musicale de George Cukor qui a pour interprète Audrey Hepburn et Rex Harrison? Quelle est la comédie musicale de George Cukor qui a pour interprète Audrey Hepburn et Rex Harrison? 02 35 30 53 84. En attendant vos réponses, nous retournons dans les chansons de Noël. Et là, une très jolie chanson que j'ai découverte ces jours-ci de Gloria Lasso. Eh oui, en 61. Gloria Lasso, Noël de Nicodème.
je crois que je t'aime autant qu'un chrétien. Pourtant, Nicodème, malgré l'anathème, je crois que je t'aime autant qu'un chrétien. Tu as dans ta génétique quelques moines byzantins, une grammaire agnostique, mais point de Saint Augustin. Ce soir, c'est Noël, mon ami Nicodème. Ce soir, c'est Noël, et tu es loin des tiens pour éteindre, Nicodème. Malgré l'anathème, tu vois que je t'aime autant qu'un chrétien. Tu n'as pas de Dieu certifié par baptême. Tu n'as pour les cieux qu'un brevet d'Arcadien. Pourtant, Nicodème, malgré l'anathème, tu sais que je t'aime autant qu'un chrétien. Extrait de son album Carnet de beurre, Bernard Lavillier, Guitare Song. Cette féminine au look androgyne ce soir-là, nue dans la vitrine, m'attire et me fascine, et voilà. Et je l'imagine comme une héroïne dans mes bras. Et je laisse courir mes doigts sur sa taille fine. J'ai cherché la rime à l'amour. Ce n'est pas facile, les figures de style toujours. J'étais sur le ring, j'attendais le swing du vainqueur. Et alors vint la douceur, première guitare, première note, premiers accords, et la vie d'un seul coup a viré de bord. Et depuis tous les jours, elle est contre ma peau, elle est derrière mes mots, derrière mes mots, elle est derrière mes mots. Derrière mes mots, ma frangine d'amour, c'était pas facile tous les jours. On jeûnait souvent, on serrait les dents dans les coups. Et puis l'indocile était très fragile au secours. Et pourtant, on s'aimait tant. Aujourd'hui la belle reste encore fidèle à ma voix. Je veille sur elle tout à fait comme elle veille sur moi. D'autres guitaristes ont fait des merveilles, crois-moi. Mais je sais ce que je te dois. Première guitare, première note, premiers accords, et la vie d'un seul coup a viré de bord. Et depuis tous les jours, elle est contre ma peau, elle est derrière mes mots, derrière mes mots, elle est derrière.
derrière mes mots, elle est derrière mes mots, derrière mes mots. Mia violon, mia mort, mia violon, mia mort. Et oui, celle qui nous vient d'Acadie, Natacha Saint-Pierre, extrait de son album De l'amour le mieux. En extrait, on écoute Tous les au revoir se ressemblent. Tous les au revoir se ressemblent, mais pas tous les adieux. Facile d'avoir la preuve de s'aimer, ou bien le courage de se quitter. Un avion s'envole, un autre s'en vient. Ceux qui restent au sol ne vont jamais. Des aveux que l'on s'arrache, qui souffrent des deux. Est-ce qu'on devrait ne rien faire ni se dire pour rester, ou bien laisser le pire arriver? Un avion s'envole, un autre s'envole. Extrait de son album Léo Domani, un album entièrement dédié à Léo Ferré. C'est l'artiste occitan Jumpo Verdier, donc avec une chanson inédite sur Léo Ferré. Et tout le reste, ce sont des chansons de Léo Ferré qu'il a repris, et des chansons rares même. Là, elle est assez connue puisque Léo Ferré l'a chantée également. Merde à Vauban, c'est le titre. Jumpo Verdier. Bagnard au bagne de Vauban, dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs, dans l'île de Ré.
la ville m'attend, ma mignonne. Mais dans 20 ans, pour elle, je ne serai plus personne. Merde à Vauban. Bagnard, je suis chaîne éboulée, tout ça pour rien. Ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant. Moi, je vois se faner la fleur de l'âge. Merde à Vauban. Merde à Vauban. Merde à Vauban. Merde à Vauban. Bagnard ici, les demoiselles dans l'île de Ré s'approchent pour voir rogner nos ailes dans l'île de Ré. Ah, que jamais ne vienne celle que j'aimais tant. Pour elle, j'ai manqué la belle. Merde à Vauban. La belle, elle est là-haut, dans le ciel gris. Elle s'en va derrière les barreaux jusqu'à Paris. Moi, je suis au mitard avec elle, tout en rêvant à mon amour qui est la plus belle. Merde à Vauban. Bagnard, le temps qui t'en s'allonge dans l'île de Ré, avec ses poux, le temps te ronge dans l'île de Ré. Où sont ses yeux, où est sa bouche? Avec le vent, on dirait parfois que je les touche. Merde à Vauban. Merde à Vauban. Merde à Vauban. C'est un petit corbillard tout noir, étroit et vieux, qui me sortira d'ici un soir, et ce sera mieux. Je reverrai la route blanche, les pieds devant, mais je chanterai dans sous mes planches. Merde à Vauban. Merde à Vauban. Merde à Vauban. Merde à Vauban. Merde à Vauban.
Sur RVL, il est 17h et chaque jour, l'heure vous est offerte par RVL, votre radio préférée. RVL, Radio Vallée de la Lézarde, la radio d'Épouville, mais également la radio de tout le canton de Montivilliers. Une seule fréquence pour nous retrouver du lundi au dimanche, 103.10, la fréquence locale. Vous êtes toujours en compagnie de Pascal jusqu'à 18h pour ces années-là, avec aujourd'hui donc un hommage à Johnny, donc qu'on retrouve dans quelques instants.